Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première randonnée de l'année. Et pour commencer cette nouvelle année, on commence avec une randonnée qui est la plus connue et la plus mythique de la Côte d'Azur, la randonnée du Tour du Roc de l'Orméa. Cette randonnée se situe sur les hauteurs de la ville de Montan et pour y accéder, c'est très simple. Le point de départ se situe au niveau de l'église de Castellar et pour y accéder, c'est simple. Vous partez de la gare routière en prenant le bus numéro 6. Vous en aurez pour à peu près 30 minutes, ou alors si vous êtes décourageux, vous pourrez partir directement de la ville de Montan, mais ça vous fera quelques kilomètres au plus au compteur. Cette randonnée, il faut compter à peu près 13 km et 1000 mètres de dénivelé, selon les chemins que vous prendrez sur cette randonnée. Mais voilà, je vous laisse admirer le reste et checker la vue.
Salut, je suis actuellement sur la redescente pour la ville de Castellar. Cependant, lorsque vous descendez, il vous est possible de faire un petit détour pour aller au mont Caparnaud. C'est un petit mont qui se situe à la frontière entre la France et l'Italie et vous n'allez pas être déçu. À tout de suite. Bon voilà, la rando c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié les images et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao !